C'était sa maison, son atelier, et maintenant, c'est le musée Bourdelle. Situé dans une petite rue de Montparnasse, on y découvre les œuvres, bronzes, plâtres et dessins du maître, un contemporain de Rodin. L'Héraclès Archer est l'une de ses œuvres les plus célèbres. En tout, près de 300 pièces. On peut en voir partout, même dans l'arrière-cour, où les bronzes prennent la patine du temps. On peut visiter l'atelier entièrement d'origine et y voir le plâtre magnifique d'un grand centaure mourant, une œuvre tardive de l'artiste, une œuvre intime, mélancolique. Un nouvel étage a été aménagé par l'architecte Christian de Porzempart pour accueillir encore d'autres pièces. Le gris du béton va bien avec le vert du bronze. C'est une autre ambiance, rien à voir avec le bâtiment sur rue. Ici, la lumière du jour donne aux pièces une force et une étrangeté toutes particulières.